Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur PlayStation 2 pour jouer à un jeu de Davilex. Et ce qu'il faut dire, c'est que c'est un jeu européen, je crois, uniquement. C'est peut-être sorti des remarques en Australie. Et le jeu, ben, ici, c'est jamais sorti, donc il n'y a pas eu de réédition de nom ou quoi que ce soit. Alors, je vais y aller en français vu qu'on a la possibilité de l'apprendre. On va regarder si. En fait, d'après moi, c'est juste les menus, mais quand même. Donc, vérification de carte mémoire, parfait, aucune carte mémoire. Réessayer, j'ai pas besoin. Continuer sans sauvegarder, ça va me faire plaisir de ne pas sauvegarder ça. Êtes-vous sûr? Je crois que oui. Et on va jouer aujourd'hui à GIGN Anti-Terror Force. Donc, GIGN Anti-Terror Force, en fait, c'est un first-person shooter. Développé, je crois, ou juste publié peut-être, mais en tout cas, il y a juste Davilex sur la jaquette. Et ce qui est bien, c'est que c'est un personnage avec un genre de MP5 qui est sur le cover. Avec des balles de shotgun sur sa veste, donc ça fait aucun sens. Et là, de ce qu'on a, c'est un personnage avec un MP7 dans les mains. Au moins, c'est déjà ça. Et là, de ce que je comprends, ben en fait, tu sais, le GIGN ou le GIGN, tout dépendant comment vous voulez le nommer, c'est quand même une force d'assaut relativement efficace, je pense. Et donc, relativement. Pour ceux qui sont peut-être dedans, qui écoutent ça présentement, oui, ok. Donc, chacun des nationalités a sa force spéciale. Et donc, celle-ci, en fait, de ce que je vois sur la jaquette, c'est bon, commander une unité d'élite. On va voir si c'est un peu à la Rainbow Six. Hein. Je m'attends que non. J'ai quand même vu un peu les critiques du jeu déjà un peu à la base. Fait que c'est un peu peut-être pour ça que je l'ai acheté, vu que je m'attends à ce que ce soit pas très bon. Jeu d'action intense à la première personne avec des armes high-tech et des gadgets de pointe. Évidemment, il faut se dire que c'est sorti en 2005. Donc, les gadgets de pointe, on regardera, on verra bien. Planifier vos missions, la moindre erreur peut être fatale aux otages, mais tant que toi tu restes en vie, c'est quand même pas pire. Combattez sur des sites réels en France, Angleterre ou en Allemagne. Donc, ça serait les trois places. Évidemment, j'ai visité aucun des trois pays. Et donc, ce qui va arriver, c'est que je crois que quand c'est indiqué sur des sites réels, là, ça doit pas être photoréalistique, hein, à la Gran Turismo ou quelque chose comme ça. Ça doit être plutôt voici, nous avons la Tour Eiffel et nous avons un monument connu en Angleterre et quelque chose comme ça. Puis c'est là que ça va se passer. L'architecture doit être pourrie. Puis il doit pas avoir vraiment de passants parce que ce sont des pays vides, hein. Il y a comme 8 personnes dans tout le pays. Et aussi, libérer et protéger les leaders politiques du monde entier, ben, c'est peut-être pas ça qu'on va faire. Puis là, ben, c'est ça, c'est une unité d'élite et tout ça. Et première chose qui saute aux yeux sur les screenshots, j'ai toujours pas commencé, je viens de le dire. Double handgun, donc double pistole, deux pistolets en même temps. Tout le monde sait que dans la force d'élite, on prend deux pistolets en même temps. C'est la façon la plus efficace de ne pas réussir à faire ce qu'on a à faire. Et donc, affichage, je crois que c'est bien. Position, aspect, parfait. On va regarder ça comme ça. Après ça, on va aller voir la manette. Il doit avoir un contrôle extrêmement. Je suppose. Retourner au vertical. Non, carte de contrôle. Ok, L1 pour tirer que le deuxième pistolet. Déjà, c'est une touche pour tirer le deuxième pistolet. Ça part pas bien. Ça part vraiment pas bien. Pour un jeu tactique, attention. L2, bon, viseur stable. Parfait. L3, s'accroupir. Ça devrait aller. R1, tirer avec son arme. Donc, le premier pistolet, je suppose. R2, lancer une grenade. Peut-être mal placé, mais c'est pas grave. Évidemment, maintenant c'est rendu l'inverse, hein. On tire avec les. En fait, non, on tire avec les R2, mais. Ah non, c'était très avant-gardiste dans ce cas-là.
Attaquer, mêler ou enfoncer des portes avec le triangle, donc ça donne des coups de pied, je suppose. Recharger avec le carré, changer l'arme glaciaire, X pour utiliser. Et jusque-là, ça va. La touche bas, pas directionnelle, lâcher le deuxième pistolet, changer d'arme avec la gauche. Le stick de gauche à déplacer, à droite, observer, viser. Parfait, ça va. Donc, jusque-là, pas de problème. Là, peut-être la sensibilité que je vais ajuster à mesure. Nous verrons bien. Voulez-vous sauvegarder? J'ai juste fait des modifications. Faites fuck out. Donc, nouvelle partie. Et ça va peut-être faire partie d'un playthrough éventuellement parce que, tu sais, c'est sûr que pour les Européens, ben, tu sais, vous l'avez déjà vu ce jeu-là, vous l'avez peut-être déjà joué. Nous, ben, en Amérique, non, on n'a pas eu ce jeu-là et il y a peu de chances que quelqu'un la jette ou ait une console modifiée pour pouvoir les jouer. Donc, je vais démarrer une partie normale, ne sachant pas c'est quoi le degré de difficulté. Normalement, je m'en sors pas trop mal dans ce type de jeu-là. Il n'y a pas eu d'intro, il n'y a pas eu de vidéo d'intro. Je pense pas que là, ils ont enlevé GIGN, c'est juste Anti-Terror Force. Avec un beau chargement. Je tiens à dire que le disque, donc physique, tient sur un disque compact. Donc, Projet, il paraît normal que tu sois mis à l'épreuve sur le circuit d'entraînement. Tu connais l'exercice. Débarrasse ton avion de la rouille qui l'a envahi et effectue le test d'entraînement pour prouver que tu es toujours assez vif pour revenir aux choses sérieuses. J'étais en vacances et je dois revenir dans le feu de l'action. Au moins, c'est bien, le doublage est français. Je m'attendais à ce que ce soit uniquement des sous-titres. Ça, au moins, c'est une bonne chose. Tu connais le truc. Tu refais connaissance avec les différentes zones d'entraînement et effectue le test. Parce que Quand c'est tu es comme prêt ça à que ça se passe effectuer dans la le vraie vie. test, touche la radio en face de toi. Ok, le parcours du combattant se trouve sur ta droite. Le champ des cibles est sur ta gauche. Les zones évasion du sniper et dégagement tactique sont juste en face. Parfait. Sélectionne une zone et allume ta radio pour des instructions supplémentaires. Je peux pas viser. Recroupir, parfait. J'ai pas d'autres armes. La visée pour l'instant, je vais la garder comme ça. Je verrai. Donc, on dirait qu'on a un. En fait, j'allais dire un Walther, mais non, c'est un USP. Point 40. Donc, parcours du combattant. Donc, attaque de mêlée. Simple et efficace. Bondis, escalade, plonge et saute. Effectue ce circuit jusqu'au bout. Ah. Ok, alors là je dois m'accroupir. Je pense qu'on peut pas sauter, donc par défaut on peut grimper au moins. Tu sais, c'est pas si mal pour l'instant, c'est très laid là, on s'entend là. L'interface est très 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 basique, très année 2005. Donc Bien voilà. joué! Tu as réussi! Tu as manifestement entretenu ta forme pendant ton absence. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a des USP, on a des MP7, on a des G36, G36C, puis pas de snipe, pas de shotgun. Ah! Des snipers. Ok, mais on n'a pas de shotgun. Bon, ben, on va faire avec, hein? Donc, je suppose que ça lève. Non, faut que je parle à la radio de merde. Bon, le son est un peu décalé, le chargeur tombe pas, y a pas de douille. Fucking dégueulasse. Je m'attends. Ah, on s'attendait quand même un peu à ça, là. On dira pas que. Je peux même pas viser avec ça. Ouf. Le son est dégueulasse. Je crains même pas mon arme, rien, mais c'est quoi ces animations de la chier? Est-ce que je peux. Ok, je peux pas prendre ça. Est-ce que je peux prendre. Je peux pas prendre le deuxième pistolet. Je peux pas prendre le deuxième pistolet, ok. Ok, j'ai ramassé ça va. Je pensais prendre un deuxième de suite, mais il semblerait que je peux pas. Parce
ce que je peux faire, lâcher le deuxième pistolet, mais ok, j'ai ramassé un sniper, donc j'ai trois armes maintenant, exactement. Il y a peut-être plus d'armes que ça dans le jeu, donc. Ici, est-ce que je peux viser maintenant? Je peux pas viser non plus. Ok. Ok, l'explosion est correcte. Non, là, il y a quelque chose qui marche pas. Ah, et voilà. Est-ce que je peux? Show max. Tout un sniper. Il y a quand même un cooldown, hein? Écoutez ça. Ok, soldat. Je crois que le mur a assez souffert comme ça. Il y a un bon cooldown. Fait que ça de même, ça veut dire que pour viser avec ça. C'est même pas une visée dans la visée, ça fait juste zoomer un peu. Ok, dégueulasse. Qu'est-ce qu'il y a ici? Les training de grenade. Tu ne peux pas toujours viser correctement tes ennemis quand ils sont couverts. Dans ces cas-là, il sera judicieux d'utiliser des grenades. Lance une grenade par-dessus la barrière et descends les cibles. Parfait, ça, bon, c'est. Boum, voilà. Trop fort. C'est une autre porte qui est ouverte. Mais non, je vais juste sortir. Ok. Puis ici. À l'extrémité de la pièce se trouve un sniper. Vois si tu peux l'approcher. Tu devras tirer profit de la couverture qui t'a été fournie si tu veux garder ta tête sur les épaules. Puis ici, je tire dessus. Cette personne est invincible. On dirait la foudre qui est en train de tomber quand je tire avec ça. C'est ridicule. Le blur, le motion sickness. Waouh, ouais, j'étais envie d'avoir mal au cœur avec ça. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Rien. À quoi ça sert une pièce comme ça? Bleue avec rien dedans puis rien à faire. Ça m'amène de l'autre côté, je suppose. Ah non, ça m'amène en haut, ok. Une pièce vide? Non, pas une pièce vide. Fuck all, faire ici avec ça. Tente ta chance ailleurs. J'ai fini. J'ai fini le training, je m'excuse, mais j'ai fini. Ah non, on peut encore monter, bordel. Ok, est-ce que c'est fini? Une planche de bois tout seul. Non, non, ok. Ah, ça ouvre de mon bord. Donc ça doit être la porte de sortie du niveau. Toujours pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vais descendre dans un autre bunker. C'est pas chic, là. Il n'y a pas une porte quelque part. Bordel. Mais c'est donc bien mauvais. Pourquoi ils me font descendre là? Alors qu'il n'y a rien à faire ici. Il n'y a absolument rien à faire. Là. On passe là, ça descend. Waouh! Est-ce que je vais finir par sortir de ce labyrinthe? Ok, je suis juste ressorti de l'autre bord. Puis à droite. Il y a fuck all là.
Hop. Cette zone est une simulation haute technologie d'un scénario de siège. Élimine les coupures de carton et essaie de faire trop le trou dans les cartons alliés. Fait que fallait que j'active ça en fait. Un peu de la merde. Fait que dans le fond, c'était pas des planches de bois, c'est des panneaux qui lèvent. Je pourrais peut-être augmenter la vitesse, hein, parce que c'est pas super rapide. Est-ce que je peux premièrement? Ok, manette. Ok, c'est presque tout ou rien, hein. Ok, parce qu'il le prend pas, parce que je sauvegarde pas. Il peut pas juste le garder en mémoire temporairement, non? Ça, ça descend. Ça, ça monte. Oh, j'en avais un dans le dos. Ouais. C'est sur les spots hein, que ça lève comme ça. J'en ai encore un qui vient de lever. C'est dépendant où je passe. C'est ça, c'est là que ça bouge. C'est complètement con. Là, j'ai en activé un ou deux, puis on les entend. T'sais, lui, je l'ai vu, mais il était pas activé. Et lui, là, il est pas activé. Là, il va s'activer, mais que je sorte de la pièce, exact. Complètement con. Penses-tu vraiment que les ennemis vont réagir comme ça? Ça serait stupide, là. Pancarte comme ça, ça donne un coup de tirer dessus. Wow! Active juste si je marche là. Efficacité redoutable. Bon, fait que ça va. Je redescends par là. Gros labyrinthe de merde. Ça, ça redescend tout de suite. Il y a déjà un panneau brisé là. Ok. J'espère que ça va fonctionner une fois que je vais avoir tout tiré et que ça va être fini. Parce que c'est clairement pas terrible. Ça, faut que je recule jusqu'à l'autre bout. En rentrant dans cette pièce-là. Pour sortir, pour aller dans l'autre pièce à côté. Qui a un escalier dedans, qui est pas celle-là. Bordel, hein? Ici. Bon, pogner l'escalier. Qu'est-ce que tu viens là? Ok, il n'y a pas de cible là. Là, je suis ici. Ah, et voilà, j'aurais monté là. J'arrive. Tu sais, je fais le parcours, je sais même pas si je le. Je sais pas, en fait, je pense pas le faire dans le bon ordre, là. Mais tu sais, faut que je paye sur les. Clairement, on les voit pas au sol, là. Mais tu sais, il y a des endroits précis où je marche. Puis que les pancartes lèvent, là. C'est complètement con. Alors là, je l'ai fini. Là. J'ai fini ce parcours-là. C'est beau. Là.
Il en reste plus, dis-moi que c'est fini. Je peux-tu m'en aller chez nous? Arrête de faire l'imbécile, soldat! Et fais ça correctement! Ben là. J'ai tout éclairé ça. J'ai passé ici. Ça, c'est beau. À droite, y en a pas. Il faut que je m'enclaque tout ça, c'est donc bien dégueulasse! Ça, c'est beau. Ça, je suis monté ici. J'ai tiré ça. Ici, j'ai pas à les tirer. Je m'en vais au fond là. Je claire ça. Il n'y a pas personne là. Je vais faire des 360 degrés tout le temps de même. Tout validé. Tout est mort. Il s'est levé, lui, là. Oui, ça, c'est mort. Parfait. Fait qu'il en reste un, là. Il en reste un qui est caché à quelque part que j'ai pas vu. Fait que là, ça... Ça, ça monte. Fait qu'il faut que je fasse ça ici pour... Non, en fait, il faut que je monte. Vu que je suis en train de faire le trajet en sens inverse. Ça, c'est mort. Ça, j'ai pas... faut pas que je le tire. Ça, c'est mort. Ah! Ça doit être ça. Pas mal sûr de ça. On va quand même être obligé de se reclaquer tout ça. Hey, ça te donne signe d'à quel point c'est pas... Le jeu est pas technique, on s'entend, avec des bruits de destruction de même, d'explosion pratiquement, quand t'es en train de mitrailler, c'est juste fou, là. Bon, ça, c'est beau. Il va me renvoyer. Fais ça comme il faut, soldat. T'en verras un aïeul, moi, tu vas voir. Tellement intéressant. Fait que là, ça, je redescends. Et c'est ça, je pense qu'il en manquait vraiment juste un. C'est où je viens de passer, là? Laisse-moi sortir. Laisse-moi sortir. Je longe les murs. Hey, moi, ça me donne mal au cœur. Pas de farce, là. C'est dégueulasse. OK. Ça sort. Ça, c'est le sniper. Fait que c'est là-bas. Attends. J'ai fait au complet. Parfait. Tout est fait. Cet exercice devrait être assez simple. Effectue simplement les quatre parcours le plus vite possible. Va chier. Faut que je marque claque ça, là. Ah, mais sérieux, c'est quoi ça, là, comme training, là? Je peux même pas jouer. J'étais obligé de faire le training. J'étais obligé de refaire le training. C'est très dégueulasse, Devilex. C'est très, très, très dégueulasse. C'est ultra chiant à voir. On en regarde même pas ça. Hey, c'est sérieux, c'est nul à chier, là. Juste m'en aller, non? Manque de balles. Parce que c'est connu, c'est tout 3 balles par cible. Reload that shit. Balle, allons m'en chercher. Ah, il m'en donne plus. Bon, ben ok. On va switcher l'arme. Ils veulent pas me refaire lancer des grenades. Pire, hein? Est-ce que ça a été rapide cette fois-là? Je pense que oui. Alors, il me reste les cibles encore. Ils sont venus. Faut pas que je manque cette fois-là. Au moins, je suis dans le bon ordre, là. Je suis du bon bord.
quand même faire attention aux otages. À côté, complètement à côté. Bon, ça c'est clean. Je pense que c'est mieux dans ce sens-là, en fait. Je vais pas prendre de chance. Je vais repasser par celle-là ici. Pas de bruit de électrique qui indique que j'aurais à exploser des cibles. Parfait. Lui s'est monté là. J'aurais arrivé par là. J'aurais plombé lui. Parfait. Lui, il lève, j'avais plombé. J'aurais rentré dans cette pièce-là. Lui, je le tire pas. Lui, je le tire. Continue ici. Faut que je le tire. Continue ici. Je me tourne. Ici, est-ce que ça a ouvert? Oui. C'est un bystander. Lui, je le tire. La porte est ouverte. Parfait. Je regarde de l'autre côté. Et on continue ce superbe jeu. S'il y a quelqu'un qui c'est son jeu préféré, là, je serais quand même très très surpris d'entendre ça. Je serais surpris. Franchement, là, quelqu'un. Comme, ah non, moi. GIGN, Anti-Terror Force. D'après moi, c'est mettons plus jeune, là, ok? Dans les plus jeunes, on va dire ça de même. Ceux-là qui ont peut-être essayé ce jeu-là, là, ont clairement vu ça. Se sont dit, ah cool, on va essayer, ça va être un genre de Counter-Strike ou un Rainbow Six ou quelque chose comme ça. Puis finalement, très très loin de là, c'est complètement pas ça, mais pas en tout. Puis, le training est plutôt chiant parce qu'avoir su qu'il fallait que je mes arcs claquent une deuxième fois, je l'aurais peut-être pas fait, hein. Je sais pas, là, je dirais peut-être. Et bon, on a vu la première shot avec le snipe qui était plutôt weird. Il me reste un étage à faire. De ça. Pour descendre ici. Avec ça, on descend ça. En plus, les pancartes des ennemis sont plus grandes que. Faut que j'active ça là. Lui, ici, il y en a pas. Là, il y en a pas. Puis, make a short. Il y en a pas non plus. Ok. Logiquement, j'ai terminé. J'étais assez proche, là. J'ai fini, pourtant. Là, non. Il refuse de me dire que j'ai fini. J'ai tout tiré les ennemis. J'ai pas eu à relancer de grenades parce qu'ils m'ont pas réactivé les grenades. Fait que j'ai pas eu besoin de le faire. Toutes les cibles là sont descendues. Le sniper est abattu. Puis j'ai fait le parcours du combattant. Là, je pense que j'ai fait le tour, là, non? Check bien ça. Encore une fois. Il y a une cible ou deux qui a pas été descendue. Je serais tellement pas surpris. Bon, lui c'est fait. C'est sûr qu'il manque encore une fucking cible. Comme tantôt. Là, je vais me claquer tout ça encore. Hey, sérieux là. C'est ce que je fais depuis le début là. Me claquer les runs d'un bord puis de l'autre là. C'est nul à chier. Hein. Ridicule, aucune indication, pas de douille, pratiquement pas de recoil, des bruits dégueulasses.
bordel, hein? Il en manque un quelque part, là. Puis je l'ai pas trouvé, puis je le trouverai pas, puis la mission va failer probablement, il y a qu'à cause de ça. Ah, bordel. J'espère que vous êtes toujours là, en fait. Moi, ça ferait longtemps que j'aurais quitté, je pense. D'un, avec une performance de merde de même, ça, c'est une chose. Mais sérieux, c'est donc bien dégueulasse. Puis la musique répétitive, une micro-loop qui arrête pas. Ah. Pourtant, tout était tiré là, hein? Il reste 24 secondes, un étage. S'il n'est pas là, c'est qu'il n'y en avait pas. Ben oui. Et voilà. Là, il fallait que je retourne peser sur le bouton, je suppose. Et voilà! Hey, mais c'est-tu nul à chier? Mission terminée, objectif échoué. Puis il me retourne au menu principal. Il me retourne au menu principal! Oh my god! Alors, je sais pas, c'est... Bon, en fait, oui, c'est... C'est clairement ma performance, mais on s'entend que... Que ça, là, ça se mérite une shit d'or de l'année, déjà en partant. C'est... Wow! Je savais pas que... En fait, ben oui, je me doutais qu'il pouvait encore faire des très mauvais shooters rendus à cette époque-là. Avant, c'est parce qu'il y avait des limitations. Mais là, il y a aucun effort. Aucun effort. Puis là, on voit un peu qu'est-ce que ça donne. C'est... J'espère qu'ils vont montrer du gameplay avec... Parce que c'est ça, ce que je voulais dire tantôt, c'est quand vous... Si vous le trouviez, ce jeu-là, un peu plus jeune... Je sais pas si vous vous doutez que... Probablement que dans le training, qui nous montre encore à l'instant, vous faisiez que ça, puis vous faisiez chier. Puis finalement, c'était terminé, vous avez jamais vu une mission de ce jeu-là, en fait. C'est ce que je... En tout cas, à mon humble avis, parce que... moi, j'en ai pas vu, hein, parce que j'aurais aimé ça terminer cette fucking mission-là. Mais non, faut faire le parcours deux fois. Super pas intéressant à voir en gameplay live comme ça. Et c'est ce qu'il nous montre. Je vais voir s'il nous en donne un autre exemple de gameplay, parce qu'on n'a pas eu l'intelligence artificielle à part le gars qui nous a tiré dessus, que je me suis planqué en me disant au début, je vais me planquer, là, ça va être... c'est ce qu'il demande de faire. Alors que la deuxième fois, j'ai juste rushé dessus. C'était bien parfait comme ça. Donc, clairement dégueulasse. Donc, les armes, pas de punch, les très mauvais bruits, pas de douille. Gars, pour le pistolet, en tout cas, le mag tombe même pas, rien de ça. Et j'espère qu'ils nous remontent encore le training. Donc, la seule séquence qu'ils ont, c'est ça. Peut-être que le training se finit même pas. Mais, malgré tout, on va quand même se faire... Un gameplay, une playlist suivant cet épisode-là. Évidemment, je vais être obligé de recommencer le jeu du début, mais je vais quand même faire un playthrough de jeu-là. Ça se peut pas que ça soit... En fait, oui, ça se peut que ce soit un navet à grandeur, mais juste pour ça, je pense que ça vaut la peine qu'on le fasse. Sur ce, ben, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Si vous avez tout de même apprécié, malgré qu'il y avait quand même des longueurs dans cette vidéo-là, vous pouvez toujours vous abonner et n'hésitez pas à commenter, à savoir si vous auriez apprécié ce jeu-là et aussi si ce playthrough est quand même assez anticipé. Salut tout le monde!